Aber mein, du hast immer nicht anders versprochen. L'équipe de France U20 va tenter de prendre sa revanche face à l'Allemagne. Bonjour à tous, bienvenue sur le YouTube de la Fédération Française de Football. Trois jours après sa défaite 3-1, les joueurs de Landry Chauvin sont de retour au centre Oliva Nova Sports à Valence en Espagne. Second et dernier test de ce rassemblement qui est le premier en 2024. Et cette génération 2004 veut forcément élever son niveau de jeu aujourd'hui face à une équipe allemande plus expérimentée et plus efficace vendredi après-midi. Les hymnes nationaux, tout de suite. L'hymne allemand, la Mannschaft, la bête noire des équipes de France en ce mois de mars, si l'on ajoute le revers de l'équipe de France à samedi soir à Lyon. Terminé sur une bonne note, c'est l'enjeu du jour. Première défaite il y a trois jours cette saison après des rendez-vous plutôt réussis face au Danemark en septembre et la Belgique en novembre. Une victoire et un nul à chaque fois. On attend l'officialisation décomposition d'équipe, on va la deviner à travers les visages, à travers celui notamment du capitaine français Johan Coré, le joueur du Paris FC, encore capitaine, face donc au capitaine allemand, le numéro 6, le milieu de terrain Robert Wagner, joueur de la génération 2003. Ils sont 7 sur les 20 joueurs allemands à être plus âgés que ceux de l'équipe de France, exclusivement composés de joueurs de la génération 2004. Ce sont les choix de Landry Chauvin, le sélectionneur U20, et de son staff.
les traditionnelles photos. La présence donc dans la cage française de Mathieu Patouillet, le gardien du FC Sochaux-Montbéliard prêté par l'Olympique Lyonnais, remplace Robin Risseur qui était donc titulaire vendredi ici même sur ce même terrain. La présence donc du numéro 18, vous le voyez devant vous, le Troyen Kylian Dong, le seul buteur vendredi, mais sa réduction du score n'a rien changé. L'équipe de France était déjà menée 3-0 et une défaite donc 3-1, mais un premier but en sélection donc pour Kylian Dong. Il fait aujourd'hui sa quatrième sélection et le coup d'envoi a été donné par l'équipe de France. France U20, Allemagne U20. La revanche après la défaite 3-1 vendredi après-midi. Première tête et premier ballon dans l'entrejeu allemand. Une équipe allemande déjà installée dans cette moitié de terrain française. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Il est ouvert. Et donc, un premier arrêt de jeu après 30 secondes de jeu. Et ce premier centré la tête du capitaine français, Johan Coré. Danger renvoyé. Une possession allemande. Et l'équipe donc de Landry Chauvin, le sélectionneur U20, prudente dans ses premières secondes, bien en place dans sa moitié de terrain. Et le jeu écarté sur le côté droit avec Nicolas Oliveira, le joueur d'Hambourg en D2 allemande. Et la très bonne défense française. Rudy Coron qui écarte sur la gauche Kylian Dong, le 3 obligé de jouer en retrait jusqu'à Mathieu Patouillet. À Johan Coré. Première possession française avec Rudy Coron, Johan Coré, cette charnière centrale. Brahim Traoré est monté d'un cran. Pas de position de hors-jeu, si le drapeau s'est finalement levé. Position de hors-jeu de Mohamed Ali Chou. On voit Mohamed Ali Chou en position d'avant-centre aujourd'hui. Et Khalil Fayad obligé de jouer en retrait. Et on va vous donner cette composition d'équipe. Alors qu'on va d'abord suivre Kylian Dong qui est rentré dans cette surface de réparation. Le pied gauche de Kylian Dong. Il n'y a personne, mais c'est pas terminé. En retrait, Khalil Fayad à l'entrée de la surface de réparation. Ça frappe hors cadre. Première situation, première occasion française
après 4 minutes de jeu sur au départ. Un joli débordement signé Kylian Dong. Ça joue alors la composition française pour ceux qui nous retrouvent et ceux qui l'attendent. Mathieu Patouillet dans la cage française, le gardien du FC Sochaux Montbéliard sur les côtés à gauche, Lucas Mincarelli, le Montpelliérain à droite, William Michael Brancis, le joueur d'Hambourg qui retrouve Nicolas Oliveira en face de lui, évoluant également à Hambourg, alors qu'on va suivre cette frappe à l'écouter, le premier corner concédé par l'équipe de France. La charnière, Johan Coré, le capitaine, encore titulaire, mais cette fois-ci aux côtés de Rudy Coron, le 3-1. 3-1, c'est Brahim Traoré qui monte d'un cran en milieu récupérateur aux côtés de Mamadou Koulibaly, le monégasque. On est davantage aujourd'hui sur un 4-2-3-1 avec deux milieux récupérateurs dans ses premières minutes. Brahim Traoré et Mamadou Koulibaly, Khalil Fayad un petit peu plus haut, le Montpelliérain. Sur les côtés, Kylian Dong et Ayman Kari. Et donc devant Mohamed Alichaud. Voici le 11 de Landry Chauvin aujourd'hui. Le voici Nicolas Oliveira, le coéquipier de William Michael Brancis en sélection. En club plutôt à Hambourg, même si les deux ont un temps de jeu assez limité. Le nouveau centre, encore stoppé par Johan Coré qui a fait le ménage. Et un mot donc sur les remplaçants, hein, on rappelle l'absence de Kassou Ouattara, le monégasque qui a dû quitter le rassemblement et retrouver donc Monaco. Il n'y a donc que 21 joueurs présents ici à Valence en Espagne, et sur le banc Antoine Mendy et Terence Koudou derrière, au milieu de terrain Edan Diop, Simon Ebonog et Joseph Ndoukidi, et devant Streder Aploi, Julien Vétro, le Bordelais, et Malamine Efekele qui était titulaire vendredi après-midi. De nouveau corner obtenu par les Allemands qui poussent, qui s'installent progressivement. Hanson. Il y a de la taille. Hein. Il y a des joueurs de taille, attention, 1m91, notamment du numéro 5, Nandy Collins. La combinaison est écartée finalement par Mathieu Patouillet. Après, particulièrement réussi avec Sochaux, il réalise une saison prometteuse en national. Mathieu Patouillet, prêté par l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, face au Stade Malherbe de Caen d'un certain Brahim Traoré et Noé Le Breton. Adversaire ce jour-là et maintenant coéquipier dans cette équipe de France U20. Et Mathieu Patouillet a connu une année 2022 particulièrement riche avec cette victoire en Coupe Gambardella et cette victoire lors des Jeux méditerranéens avec l'équipe de France U18. Déjà deux titres à son palmarès. L'offensive française dans cette surface qui ne donne rien s'est renvoyée du pied par le gardien Mio Bacaos, qui fait partie des joueurs à évoluer dans un championnat étranger. Ils sont 5. Mio Backhouse, là, le gardien allemand qui évolue au FC Volendam. Dans le championnat néerlandais, alors qu'il y a une position de hors-jeu. Et le FC Volendam, club d'un ancien joueur de cette équipe de France U20, qui n'a pas été appelé pour ce rassemblement. C'est Florent Sanchez, le joueur
de Molenbeek, maintenant en Belgique, qui avait été prêté par l'Olympique Lyonnais du côté de Volendam. Et on pense aussi à ceux qui ne sont pas là. Le ballon dans les pieds de Wagner qui remonte le terrain, qui écarte côté gauche. Toujours un des Français discipliné dans leur moitié de terrain, qui laisse le moins d'espace possible à cette équipe qui a quand même trouvé le décalage sur le côté gauche, le centre au second poteau. Ça n'a été touché par personne, mais le jeu continue avec Nicolas Oliveira en retrait, avec Anton Kadé, le joueur du FC Ball, Robert Wagner, le capitaine. On revient en retrait, Collins qui écarte à droite, Oliveira qui adresse son premier poteau envoyé sans risque par les Français. Nouveau corner concédé. Le coach allemand de 42 ans, Hannes Wolf, hein, le sélectionneur allemand. Alors à la baguette, c'est le gaucher buteur il y a 3 jours, Franz Kratzig, la nouvelle tête. Et la défense française, mais ce ballon va sortir, va offrir un quatrième corner dans cette rencontre pour l'équipe allemande. Toujours le gaucher Franz Kratzig. Collins et son 1m91 sont dans cette surface française. La combinaison, c'était cadré. Mathieu Patouillet attentif. La relance rapide. Mais bon repli défensif des Allemands. On se réorganise. Un Brüning. Un ballon confisqué par les Allemands après moins d'un quart d'heure de jeu. Et on tente de progresser. Mais la récupération française. C'est finalement le capitaine allemand qui a le dernier mot. Le centre à venir peut-être. On préfère servir en retrait, Robert Wagner. Andy Collins, Nicolas Oliveira. Il y a Sansa, l'attaquant allemand. Ah, ils ont toujours le ballon dans la surface de réparation. Le face à face et la frappe croisée. Heureusement pour l'équipe de France. La plus belle occasion depuis le début de la rencontre. Les Allemands dans un temps fort. Rudi Coron avec Johan Coré. Encore titulaire, encore capitaine aujourd'hui. Le défenseur du PFC, Johan Coré. Et
Bien en une touche, c'est bien fait. Khalil Fayad vers Ayman Kari qui rentre dans cette surface de réparation. Le centre vers Mohamed Ali Chaud. Ce ballon a été touché. Et le corner obtenu sur une accélération. Au départ, Fayad pour Kari. Et il y a danger. Corner joué à deux. Ce ballon qui va finalement sortir. La bonne récupération française. Et finalement la récupération allemande. Collins, joueur de l'Eintracht Francfort. Et le jeu sur le côté gauche. Bonne récupération de William Michael Brancis. On essaye de repartir proprement. Et Michael Brancis qui va obtenir cette touche. Et l'équipe de France qui avance après le premier quart d'heure de jeu 0-0. Avec... une situation particulièrement dangereuse en faveur de l'équipe d'Allemagne il y a quelques minutes. Mais toujours pas de but. On le rappelle, hein, les buteurs vendredi avec Tom Rothe, Franz Kratzig. On va suivre cette situation. Et Paul Vanner sur le banc également, buteur, et la réduction du score de Kylian Dong. Le corner français obtenu, c'est Mohamed Ali Chaud qui va s'en charger. Le joueur niçois, l'ancien de la Real Sociedad, qui est le joueur français le plus expérimenté de ce rassemblement. Avec sa patte gauche, c'est renvoyé, ça revient sur Khalil Fayad. À son tour contré, mais le ballon toujours dans les pieds français. Et on retourne sur le côté droit. Ibrahim Traoré. Avec Noé Le Breton. Je parlais de Mamadou Koulibaly hein, tout à l'heure. C'est bien Noé Le Breton à présent dans ce milieu de terrain aux côtés de Brahim Traoré, Mamadou Koulibaly, le monégasque sur le banc. Dans ce 4-2-3 hein, aujourd'hui, le 11 préparé par Landry Chauvin. On peut rappeler ce 11 hein, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Mathieu Patouillet dans la cage, Lucas Mincarelli à gauche. William Michael Brancis à droite. Une charnière Johan Coré, Rudy Coron. Deux milieux récupérateurs avec Brahim Traoré et Noé Le Breton. Khalil Fayad en position de meneur de jeu, le numéro 10 Montpellier. Et le trio d'attaque. Mohamed Ali Chaud. Ayman Kari et Kylian Dong. Allez, la récupération française avec Brahim Traoré, avec Noé Le Breton en retrait. William Michael Brancis obligé de revenir jusqu'à son gardien sous la pression allemande. Touche, touche, touche.
Et Noé Le Breton, effectivement, un bon petit milieu qui a fêté sa première sélection vendredi et donc deuxième titularisation de suite pour lui en équipe de France U20. Le joueur du Stade Malherbe de Caen qui vise la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Kylian Dong avec la montée justement de Noé Le Breton dans son dos, servi, mais le centre ne donne rien. Et pourquoi pas cette frappe qui passe à côté de la cage de Mio Bakaos, tentative de William Mikel Brancy. Duel équilibré pour l'instant entre ces deux nations. Collins. Et l'équipe de France qui va pouvoir un petit peu avancer. On prend le temps côté allemand. Le renversement de jeu à droite. Sans problème pour Mathieu Patouillet. Con avec Johan Coré. On y touche Kylian Dong. La connexion troyenne là entre Rudy Con et Kylian Dong. Les deux joueurs évoluant avec les stacks en Ligue 2. Et il peut avancer, il y a de l'espace. Et à gauche, Camille Carelli. Kylian Dong, ouais, par-dessus il y avait le départ de Khalil Fayad, mais ce ballon qui n'arrive pas dans la bonne zone sans problème pour Mio Bakaos. Et on peut repartir avec Louis Bruning, et le capitaine de cette équipe qui est vraiment la rampe de lancement, Robert Wagner. Les applaudissements de Landry Chauvin qui aime bien la discipline défensive de son équipe pour empêcher la progression. Allez, il y a une faute involontaire au milieu de terrain alors qu'on a basculé dans la seconde moitié de cette première période, toujours 0-0 entre Français et Allemands dans ce second test de ce rassemblement après celui de vendredi après-midi conclu par une défaite française 3-1. C'est l'heure de la revanche. La récupération, il y a une contre-attaque possible. Brahim Traoré pour lancer Kylian Dong entre deux joueurs et il y a un coup de sifflet. Il y aura un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. On n'était pas loin du pénalty. L'avertissement derrière. Avertissement pour Nicolas Oliveira. Au départ de cette action, même si Kylian Dong
s'est écroulé dans la surface de réparation. La faute, elle est au départ. Et ce sera donc un coup franc, mais il est intéressant, ce coup franc, surtout quand on connaît la qualité dans le pied du Montpelliérain, Khalil Fayad. Alors il y a aussi le pied gauche hein, d'un Mohamed Ali Chaud, mais c'est Fayad qui va poser ce ballon et qui va essayer de tromper Mio Bakaos. Cinq joueurs dans le mur. Et c'est une combinaison, et c'est bien Mohamed Alisson, le pied gauche du Niçois, la lucarne trouvée après 26 minutes de jeu, pour lancer parfaitement ce duel retour. 1-0 pour l'équipe de France. Un but magnifique, cette combinaison sur coup franc. Impossible à arrêter pour Mio Bakaos. Ah, quel but! Superbe réalisation! Et on pourra donc aussi souligner hein, le bon travail de Kylian Dong au départ pour obtenir ce coup franc. Et l'équipe de France récompensée qui retourne à l'attaque. Luca Mincarelli par dessus, nouvelle position de hors-jeu. Signe du bon alignement de la défense allemande. Il va falloir insister aussi sur ce côté droit avec un Nicolas Oliveira averti qui va forcément plus le défendre de la même manière. Allez, Kylian Dong est reparti pour lancer Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud, le pied gauche, et cette fois-ci intercepté par Mio Bakaos qui avait bien fermé son premier poteau, qui avait bien fermé ses jambes. Ce ballon qui aurait pu passer entre ses jambes, ce ne sera pas le cas. En tout cas, l'équipe de France plus entreprenante depuis quelques minutes. Traoré. On le rappelle, a monté d'un cran aujourd'hui. Il était en défense centrale aux côtés de Luan Coré vendredi. Et là, il est devant la défense, à côté de Noël Le Breton. Luan Coré. Ils ont su être patients, les Français, pendant le temps fort allemand au début de cette première période. Avec Dico qui s'en sort bien. Et on écarte le jeu vers Kylian Dong, qui a pris tout de suite de la vitesse. Un revenir intérieur. Le numéro 5, un Français pour ceux qui se demandent. Et même si il lui ressemble un petit peu, effectivement, ce n'est pas Kefren Thuram hein, convoqué avec Thierry Henry et l'équipe de France Espoir. Et c'est Brahim Traoré, le Canet.
Et le centre de Carelli, premier poteau, il est renvoyé. On le rappelle, hein, là, il s'agit de la génération 2004. Kefren Turam qui est né en 2001. Ah, le 1-2 entre Traoré et Fayad, et le très bon service pour Mohamed Ali Chou qui tente de se retourner dans cette surface de réparation. Les défenseurs allemands s'en sortent bien sur un fil et la demi-heure de jeu est passée. L'équipe de France mène 1-0 et mène tout court pour la première fois dans cette double confrontation. Frappe magnifique du gaucher Mohamed Ali Chou. Sur combinaison, sur coup franc, on pensait que Khalil Fayad allait prendre directement sa chance. Eh bien non, il a préféré décaler son coéquipier. Ouais. Mohamed Ali Chou, on le disait, le joueur le plus expérimenté de ce rassemblement, puisque c'est le seul à compter des sélections en équipe de France Espoir. 7 sélections déjà avec l'équipe de France à prime. Kylian Dong qui est parti face au but, face à Mio Bakaos qui a ouvert ses pieds et qui trompe le portier allemand. Il double la mise après 31 minutes de jeu récompensé de son très bon début de match. Kylian Dong, deuxième but en 2 matchs pour lui face à l'Allemagne, et 2-0 pour l'équipe de France. Il était dangereux depuis le début du match sur ce côté gauche, Kylian Dong, qui n'était pas titulaire vendredi, qui remplace Malamine Efekele aujourd'hui sur le banc. Et il était particulièrement remuant depuis plus d'une demi-heure. Il est récompensé donc par ce deuxième but en 3 jours face à l'Allemagne. Bravo Kylian Dong. Très bonne ouverture au départ aussi à souligner. C'est Khalil Fayad hein, au départ. Attention à la réponse allemande, et c'est alors un petit peu le coup de pied-collé du match vendredi. En échangeant les équipes, puisque l'Allemagne avait ouvert le score avant le quart d'heure de jeu et juste après la demi-heure de jeu. C'est la même chose aujourd'hui, mais cette fois-ci, c'est l'équipe de France qui vient punir l'Allemagne. On disait plus expérimentée et plus efficace il y a 3 jours. Et bien là, c'est l'équipe de France qui se montre particulièrement réaliste. Il faut tenir maintenant, rester devant. Deux passes décisives hein, de Fayad. Effectivement, Salim, c'est important de le souligner. Et pour les enjeux du match, hein, l'objectif est surtout, hein, c'est un match amical. L'objectif, c'est surtout de préparer, grâce à ces matchs amicaux internationaux, les meilleurs jeunes U20 pour l'équipe de France Espoir. Avec en fin de saison le tournoi Maurice. Révélo, et ce sera aussi l'occasion de les préparer en vue des Jeux Olympiques de Paris l'été 2024, pourquoi pas. Ah, la bonne récupération. Et Mathieu Patouillet tranquille. On dit qu'il n'y a pas d'échéance internationale pour cette sélection à court terme.
qui sort de la Coupe du Monde en Argentine, où la France n'a malheureusement pas réussi à franchir la phase de groupe et qui a forcément laissé un petit goût amer. Le long dégagement de Mio Bacaos. La défense de Lucas Mucarelli qui va même obtenir cette touche. Alors que on nous redemande la composition d'équipe, et notamment Vanessa Corée, qui est peut-être de la famille du capitaine français Johan Corée, qui est bien titulaire et capitaine en défense centrale. Johan Corée aux côtés de Rudy Coron, Lucas Mucarelli à gauche, William Michael Brancis à droite. Au milieu de terrain, Brahim Traoré est monté d'un cran à côté de Noé Le Breton, Khalil Fayad en position de meneur de jeu. Sur les côtés, Kylian Dong et Ayman Kari, le Lorientais, est devant. Donc Mohamed Ali Chaud, buteur sur l'ouverture du score. Et le second but signé Kylian Dong. L'équipe de France encore à l'attaque. On va écarter la montée du latéral, William Michael Brancy. Le pied gauche, mais ce centre tir ne va rien donner. Et 10 minutes encore dans le temps réglementaire de cette première période. Fayad qui est double passeur aujourd'hui, mais aussi qui ne lésigne pas sur les efforts défensifs. C'est souvent le premier à déclencher le pressing. Lucas Mucarelli, la montée du gaucher. L'appui sur Kylian Dong. Khalil Le Breton entre deux joueurs. Il a résisté. Coup de sifflet finalement. Sur un duel qui semblait licite, en tout cas, Landry Chauvin n'est pas d'accord. Il le fait savoir au quatrième arbitre. Robert Wagner. Avec Namdi Collins. Encore un Khalil Fayad au pressing qui oblige Collins à jouer en retrait sur Bacaos. Louis Brunning. Ouais, récupération de Khalil Fayad, mais Nicolas Oliveira s'est rattrapé. Mathieu Patouille avec Rudy Coron, la passe plein axe, elle est dangereuse, elle est récupérée. Attention à. Ce contact, ce coup de sifflet et un coup franc intéressant obtenu par les Allemands. Excès d'engagement. Reproché aux défenseurs français. Et c'est exactement de cette manière que l'équipe de France a ouvert le score tout à l'heure. Robert Wagner s'est relevé. Et ça semble être le gaucher, Franz Kratzig, le numéro 8, joueur de l'Austria de Vienne en Autriche. On disait, il y a 5 joueurs évoluant dans un championnat étranger, n'évoluant pas en Allemagne. Et donc le gardien, Mio Bacaos, champion d'année irlandais, donc Franz Kratzig, le numéro 8.
dans le championnat autrichien. Qui a marqué donc il y a 3 jours, c'est lui qui a posé ce ballon. Franz auf den linken Fuß legen, aber an der Mauer vorbei, nach innen legen, andersrum. Sichtschuss, Ilias. Alors c'est indirect. Hey, ref, 5 meters. Come on. Ce qui explique la main levée de l'arbitre, on va le jouer à 2. On est sorti. La frappe contrée. La bonne défense française. Bonne défense française. À l'approche donc de ces 5 dernières minutes du temps réglementaire. Collins. Robert Wagner dans le rond central. Brüning. Johan Coré qui est venu tout de suite presser. Ce ballon toujours dans l'aire de jeu à gauche. Ah, le très bon retour. Et le départ de Mohamed Ali Chou qui vient fixer, rentrer dans cette surface de réparation sur son pied gauche. Il a enroulé, pas assez enroulé, le cadre se dérobe, ça passe à quelques centimètres. Mais que c'est allé vite dès la récupération. Il y a une nouvelle vraie situation pour l'équipe de France, beaucoup plus dangereuse et entreprenante aujourd'hui. Ouais, tout de suite proche du porteur, William Michael Brancis, permettre la récupération. Noé Le Breton avec Brahim Traoré. Johan Coré. Rudy Con. Vers Lucas Mincarelli, autre Montpelliérain, avec Khalil Fayad. La faute sifflée. On a entendu le choc. Mohamed Ali Chou qui a joué dans le championnat espagnol du côté de la Real Sociedad entre juillet 2022 et janvier 2024. Il est de retour dans le championnat français, l'ancien Angevin, maintenant du côté de l'OGC Nice. Mohamed Ali Chou. Répondre à Khabib qui se posait la question, mais il a effectivement eu une expérience dans le championnat espagnol. Plutôt réussi d'ailleurs. 1 minute 30 encore avant le temps additionnel. La touche de William Michael Brancis. Il a tenté de renverser le jeu. C'est récupéré par Nicolas Oliveira. Collins qui tente d'allonger. Il y a un client avec Ilias Ansah.
1m94, hein. Ilias Sansa, c'est le plus grand de ce groupe, l'attaquant, le numéro 19. Et il a obtenu ce coup franc excentré dans les dernières secondes. Kradzig à la baguette. Au point de pénalty. Jetzt vorne zu, organisieren! Et on se dirige doucement vers la mi-temps. Et une première période aboutie de l'équipe de France U20 face à l'Allemagne. 2-0. Ils ont su être disciplinés défensivement pendant les possessions allemandes et surtout efficaces offensivement à l'image de Mohamed Ali Chou et Kylian Dong. Et la vitesse de ces deux joueurs a particulièrement gêné la défense allemande. Allez, on est dans le temps additionnel. Et l'équipe de France a le ballon. On a réussi à sortir de la densité. Une dernière offensive peut-être. On reste côté droit. Un ballon finalement rendu la perte de balle. Du Titi parisien, Ayman Kari, prêté au FC Lorient. A noter, hein, parmi les 22 joueurs convoqués par Landry Chauvin dans ce rassemblement, 12 évoluent en Ligue 1, 6 en Ligue 2, 2 dans le championnat national et 2 à l'étranger. William Michael Brancis avec Hambourg et Malamine Efekele, le joueur prêté par Monaco au Cercle Bruges sur le banc aujourd'hui. Le centre que n'a pu capter Mathieu Patouillet. Il y aura un dernier corner dans cette première période pour réduire le score côté allemand. Collins, le numéro 5 comme à son habitude, est présent dans cette surface. C'est tiré au premier poteau, touché par Ansa. Et on va en rester là. Ici à Valence, en Espagne, au centre Oliva Nova Sports. L'équipe de France U20 mène 2-0 à la pause grâce à Mohamed Ali Chou. Un but magnifique du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation. Et Kylian Dong qui a parfaitement ouvert son pied pour remporter son face-à-face devant Mio Bacaos. Après la défaite il y a 3 jours, 3-1, l'équipe de France est en train de prendre sa revanche, mais il reste encore du temps, il reste une mi-temps pour cette génération 2004 et les joueurs de Landry Chauvin. On se quitte quelques minutes avec du contenu de l'équipe de France A et de l'équipe de France Espoir, et on se retrouve ici à Valence pour suivre cette seconde période entre l'équipe de France U20 et l'équipe d'Allemagne. 2-0 à la pause, à tout de suite. Merci de vous lever et d'applaudir la sortie de deux équipes. Bon match à tous et allez les Bleus!
changement pour l'équipe de France avec la sortie du numéro 11. Mesdames, Messieurs, merci d'applaudir les deux équipes. Et à mi-temps, c'est les Bleus qui mènent 1 à 0. Bonjour, ça va? J'allais bien. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va? Bonjour. 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 T'as recassé un autre. Pardon.
Alessio. J'arrive. Pas de ligne italienne, vous savez. Je vous rattrape, je vous rattrape. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Ok, ok, ok. Allez Rondal, allez mon gars, allez Rondal. Pur gaucher, pur gaucher, pur gaucher. Reste, reste debout, yes, yes. Droite, 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 droite
Attends, côté, côté, côté. Oui, serre, serre, ton, Comment, c'est cul. De retour au centre Oliva Nova Sports à Valence en Espagne où l'équipe de France U20 mène 2-0 face à l'Allemagne grâce à l'ouverture du score de Mohamed Alichaud sur un premier service du Montpelliérain Khalil Fayad. Et c'est Kylian Dong qui a doublé la mise sur une nouvelle passe décisive du meneur de jeu Khalil Fayad. 2-0, les Français ont montré un tout autre visage que celui il y a trois jours face à cette même nation, face à cette même équipe, et une défaite 3-1 au bout. Les Lyonnais sont plus entreprenants, plus disciplinés défensivement et réalistes offensivement. Ils sont en train de prendre leur revanche, en train de dompter leur bête noire en ce moment, alors qu'il y a un changement côté allemand avec l'entrée du numéro 11, le joueur de Schalke 04 en D2 allemande, Youssouf Kabadayi, qui va donc essayer d'impulser une nouvelle dynamique à cette équipe allemande, au joueur Danes Wolf, le sélectionneur. Pas de changement côté français. On va repartir donc sur ce 4-2-3-1 avec Mathieu Patouillet dans la cage française, Lucas Mincarelli côté gauche, William Mikel Brancis côté droit, une charnière, Johan Coré, le capitaine français, aux côtés de Rudy Cohon, deux milieux récupérateurs avec Brahim Traoré qui monte d'un cran et Noé Le Breton, Khalil Fayad en position de meneur de jeu. Sur les côtés, Kylian Dong et Ayman Kari. Et donc devant, Mohamed Ali Chaud. Quatre changements hein, dans ce 11 de départ par rapport donc à cette défaite vendredi. Ils sont sur le banc
et était titulaire donc vendredi. Robin Risseur, le gardien français, le latéral Terence Koudou, Edan Diop au milieu de terrain et Malamine Efekele devant. Et donc sont entrés dans ce 11 de départ Mathieu Patouillet, William Michael Brancis, Rudy Cohon et Kylian Dong, particulièrement remuant. La vitesse de Mohamed Ali Chou et Kylian Dong ont gêné les défenseurs allemands. L'Allemagne a eu des occasions, mais Mathieu Patouillet n'a pas encore eu besoin de sortir le grand jeu, comme il l'a fait déjà cette saison, notamment lors du parcours superbe du FC Sochaux Montbéliard, qui s'est stoppé face au Stade Rennais, mais où Mathieu Patouillet a été décisif, notamment lors de séances de tir au but. Tout est prêt, l'arbitre était le dernier à fouler donc cette pelouse ici dans des conditions idéales à Valence en Espagne. La seconde période de cette manche retour, l'équipe de France U20 mène 2-0. Mohamed Ali Chou et Kylian donc buteur. Pas de changement côté français, un changement côté allemand avec l'entrée de Youssouf Kabadayi. Et le coup d'envoi a été donné par les Allemands. Premier ballon pour Tom Rotteux. On se souvient du début de match avec cette possession allemande où les Lyonnais, où les Français pardon, avaient été très prudents en restant dans leur moitié de terrain. Le travail de Kabadayi l'entrant et quelle défense de William Michael Brancis qui ne s'est pas fait avoir par ses dribbles, qui va obtenir derrière la faute. Impeccable. La relance courte de Mathieu Patouillet vers son capitaine, Johan Coré. Kevin Carelli. Le coup de sifflet. Et le premier ballon sur le côté gauche. Ah, il a pris de la vitesse. C'est un coup franc très intéressant obtenu à l'entrée de la surface, comme en première période sur l'ouverture du score. Et cette combinaison entre Khalil Fayad et Mohamed Ali Chou. Dès les premières minutes de cette seconde période, pourquoi pas aller chercher le 3-0. Et c'est encore Kylian Dong qui a été insaisissable, irrésistible lorsqu'il est lancé et qu'il prend de la vitesse. Inarrêtable surtout, et qui a obtenu donc comme en première période ce coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation. Khalil Fayad à la baguette, déjà double passeur décisif, le Montpellierain. Khalil Fayad face à Mio Bakaos, ce ballon qui ne redescend pas assez au-dessus de la barre transversale. Ça a juste été accompagné par le gardien allemand. Pour répondre sur le chat qui est ouvert, où vous pouvez poser vos questions. Le second buteur, donc Kylian Dong. Après l'ouverture du score de Mohamed Ali Chou et deux services, deux passes décisives, signé Khalil Fayad. Et on voit encore des Français bien en place qui empêchent les Allemands de progresser.
Allez, la possibilité française. On a accéléré, on a pris de la vitesse. Mohamed Ali Chaud face à Namdi Collins, le centre du pied gauche. Ça revient, Kylian Dong en retrait. Le Breton et ouais, très haut la récupération de Brahim Traoré. Noé Le Breton, Khalil Fayad. Noé Le Breton qui donne de l'air. Johan Coré à droite. Ce sera trop long vers William Cabranchou. Le jeu écarté à droite. Louis Pruning. Et la position allemande. Ils ont avancé. Les Allemands, ce décalage côté droit. Le ballon dans la surface de réparation, en retrait. On cherche un angle de tir. Et bonne défense française. La contre-attaque possible emmenée par Brahim Traoré. Stoppé par derrière. Il y aura logiquement un nouvel avertissement pour l'Allemagne après Nicolas Oliveira en première période. Cette faute volontaire pour empêcher la contre-attaque. Landry Chauvin qui vendredi avait fait entrer tous ses joueurs. Hein. Tous les joueurs convoqués ont eu du temps de jeu. Et ça risque d'être encore le cas aujourd'hui. On rappelle 22 joueurs au départ et 21 finalement puisque Kassoum Ouattara, le monégasque, a dû quitter le rassemblement et retrouver son club pour soigner une blessure. La récupération d'Ayman Kari. Le jeu à gauche. Mathieu Patouillet qui est sorti de sa surface pour être aussi à la relance. Allez, on essaye hein, toujours de ressortir proprement malgré le pressing allemand et on y parvient. William Michael Brancy. Il y a de l'espace pour Mohamed Ali Chaud. Il est parti, il a été lancé par Ayman Karim en position de hors-jeu. Le Niçois parti un petit peu trop tôt. Mais clairement, ce n'est pas la même équipe de France U20 que vendredi. Il pose bien des problèmes à cette équipe allemande. L'anticipation et la bonne lecture de Johan Coré qui s'est fait mal sur ce tacle. On va aller prendre des nouvelles du joueur du PFC. Johan Coré, le gaucher qui compte donc déjà 5 sélections en U20, c'est sa 6e aujourd'hui et on peut rajouter 7 sélections U19 et 8 sélections U18. Ça fait déjà au total, avec celle d'aujourd'hui, 21 sélections dans les différentes équipes de France. Et il a enlevé son brassard et va laisser sa place. Johan Coré, c'est le premier coup dur de cette seconde période. La sortie
certainement sur blessure. Il va être porté par le staff médical. C'est pas forcément des images rassurantes pour Johan Corré après moins de 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Le défenseur central du PFC qui va laisser sa place. Et donc l'entrée de Mamadou Koulibaly, le monégasque. Et c'est certainement donc Brahim Traoré qui va redescendre d'un cran. Lui qui était au milieu de terrain aujourd'hui, il y aura une charnière Rudico, Brahim Traoré et donc Mamadou Koulibaly va venir au milieu de terrain aux côtés d'Ayman Kari et Khalil Fayad. Allez, il est parti, Ayman Kari, justement l'Orientais qui décale Kylian donc dans cette surface de réparation. Nouveau face à face, le pied gauche et ça termine au fond. Le doublé du Troyen, décidément inarrêtable cet après-midi. Troisième but en deux matchs face à l'Allemagne. L'équipe de France U20 mène 3-0. Quelle performance de Kylian Dong aujourd'hui. Sur le banc et buteur hein, vendredi et là titulaire aujourd'hui, déjà deux buts et surtout efficace hein. Il avait déjà eu l'occasion de s'offrir un doublé en première période et il le fait donc en seconde période, mais la différence elle est là aussi. Les Français sont efficaces et la belle passe d'Ayman Kari a souligné également. Donc l'Allemagne menait 3-0 vendredi et c'est 3 jours plus tard l'équipe de France qui mène 3-0 avant l'heure de jeu. Il y aura eu en tout cas des buts dans ce rassemblement. Il faudrait maintenant aller chercher un clean sheet hein, pour Mathieu Patouillet et venir récompenser aussi les efforts défensifs de cette équipe. Alors William Michel Brancy, l'ancien Messin au sol. On rappelle la sortie sur blessure du Johan Corré. De se faire soigner. L'Allemagne qui est le troisième adversaire de cette sélection nationale U20 cette saison. Après des doubles confrontations face au Danemark, un nul, une victoire, et la Belgique, également un nul, une victoire. C'était au mois de septembre et novembre. Le jeu qui va pouvoir reprendre. Thank you.
Renfro qui attend pour repartir. Il a récupéré le brassard de capitaine depuis la sortie d'Yohan Coré, Brahim Traoré. Il y a un petit focus sur le double buteur, Kylian Dong, le Troyen depuis juillet 2018, qui est né à Évry et qui, avant d'arriver à Troyes en 2018, était passé notamment par le FC Fleury 91. Lui qui ne compte que des sélections en U20, sa quatrième aujourd'hui. Le petit ballon par-dessus est bien capté par Mathieu Patouillet. Et il y a le score à indiquer à droite, le 4-3, ce qui signifie que sur la double confrontation, eh bien, l'équipe de France est devant et va remporter sur l'ensemble des deux matchs son duel avec l'Allemagne. Mais il reste encore du temps. On a passé l'heure de jeu, le coup de sifflet. Landry Chauvin qui demande du calme. L'attaque allemande à l'entrée de la surface de réparation. Nouvelle bonne défense française. Le danger renvoyé. Et la contre-attaque possible. Ayman Kari qui écarte vers Kylian Dong. Avec Mohamed Ali Chou. Mohamed Ali Chou, les passements de jambes dans la surface de réparation. La frappe du mauvais pied qui passe à côté. Nouvelle occasion française. Et encore une fois, c'est une récupération, une transition rapide vers l'avant. Ayman Kari qui a récupéré, obtient la faute. Et c'est vraiment dans ce domaine où les Français auront été performants aujourd'hui sur des attaques rapides en misant sur la vitesse de Kylian Dong et Mohamed Ali Chou est toujours très bien servi. Hein. Quand ce n'est pas Khalil Fayad, c'est par exemple Ayman Kari. Tom Roteux avec Kabadayi. Louis Browning avec Nnamdi Collins. Robert Wagner pour la première relance qui vient s'insérer entre ces deux défenseurs centraux, Louis Browning et Nnamdi Collins. Le voici encore servi. Browning qui allonge cette fois-ci. Ibrahim Traoré bien placé. William Michael Brancic vers l'avant. Bravo.
alors que les premiers changements se préparent. À l'extérieur du pied vers Mohamed Ali. Chaud en une touche, pourquoi pas. C'était surprenant, soudain. Ça passe à côté. Le rythme un petit peu retombé. Et on insiste côté droit. Le ballon au cœur du jeu. Et ce ballon bien ressorti encore. Oh, Khalil Faya, toute la qualité technique. Il s'en sort avec l'aide d'Ayman Kari, pas de coup de sifflet. Tom Roteux. Qui tente de mettre ce ballon dans la surface de réparation et le pénalty accordé à l'Allemagne, la faute de Brahim Traoré qui reste au sol dans ce contact difficile de se faire une idée précise. Tant on était loin de l'action, mais en tout cas l'arbitre n'a pas hésité. Mais ce but est loin d'être marqué quand on connaît la qualité dans cet exercice de Mathieu Patouillet qui s'est révélé lors de la Coupe Gambardella 2022 avec l'Olympique Lyonnais et lors de la Coupe de France cette saison avec le FC Sochaux-Montbéliard. Keke Top face à Mathieu Patouillet, il était parti du bon côté mais ça termine au fond la réduction du score allemande 3-1 et au score cumulé donc 4-4 et l'espoir revient côté allemand alors qu'il y aura donc de nombreux changements à la sortie notamment d'Anton Cadet. Alors les rentrées, il y avait 3 rentrées, donc c'est le défenseur central, le numéro 14, Yannick Lurs, qui joue en D2 allemande du côté d'Hanovre. L'entrée également du numéro 7, Ben Bobzien, joueur du SC Austria Lusteno, dans le championnat autrichien. Et l'entrée également du milieu de terrain, Mathias Hansen, joueur du SC Paderborn, en D2 allemande, comme d'ailleurs... Ilias Ansa, le très grand numéro 19, qui joue aussi du côté de l'SC Paderborn. On détaillait en première période où évoluaient les joueurs français, donc 12 en Ligue 1, 6 en Ligue 2, 2 dans le championnat national et 2 à l'étranger côté allemand. Il n'y en a que 3 finalement qui évolue en D1 allemande, en Bundesliga. La plupart engrangent du temps de jeu en deuxième division allemande. Ils sont 12 dans ce cas sur les 20 joueurs convoqués pour ce rassemblement et donc 5 à l'étranger. La très longue touche. Tom Roteux qui gagne du terrain. Et le match qui se passe à Valence en Espagne. Au centre Oliva Nova Sports, plus précisément.
Et de nouveau en possession allemande. Les Français ont laissé le ballon. Mais ça a été payant jusqu'à présent. Raoul Pola aussi qui est rentré en jeu, qui fait partie de ces trois joueurs d'ailleurs à jouer en Bundesliga. Raoul Pola, le joueur de Stuttgart, numéro 20. Et les deux autres, c'est le gardien qui n'est pas là, le numéro 1, Manuel Noll, qui joue à Hoffenheim, et Namdi Collins, le numéro 5 à l'Eintracht Francfort. Allez, là, à nouveau lancé, il peut profiter de cette erreur, Mohamed Ali Chow. Et quel arrêt de Mio Bakaos, empêché après le doublé de Kylian Dong, celui de Mohamed Ali Chow sur une erreur de relance. Kabadayi qui rentre intérieur, on a bien stoppé par Mickaël Brancis, qui a remporté quasiment tous ses duels face à Youssouf Kabadayi. À 20 minutes encore dans le temps réglementaire de cette rencontre, 3-1, doublé de Kylian Dong, ouverture du score de Mohamed Ali Chow et la réduction du score sur pénalty de Keke Top, l'attaquant de Schalke 04, qui fête d'ailleurs aujourd'hui ses 20 ans. Il est né le 25 mars 2024, il est né le 25 mars 2004. Et donc il s'offre un cadeau d'anniversaire le jour de ses 20 ans, Keke Top, avec cette réduction du score. Les changements français, triple changement. Après donc l'entrée de Mamadou Koulibaly à la place de Johan Koré, blessé. La sortie du double passeur décisif, Khalil Fayad, sur les deux premiers buts en première période. Notamment, et donc trois entrées, le latéral droit, Terence Koudou. Le titulaire donc vendredi à la place de William Mickaël Brancy, qui aura donc... fournit beaucoup d'efforts, donc le Rémois Terence Koudou, le milieu de terrain, donc le monégasque Edan Diop, le petit frère de Sofiane Diop, joueur de l'OGC Nice. Attention à cette situation après le triple changement, quel arrêt de Mathieu Patouillet au premier poteau du pied à la manière d'un gardien de handball pour éviter le 3-2 et éviter finalement aux Allemands de passer devant dans cette double confrontation au score cumulé. Et donc pour être complet, Terence Koudou le Rémois, Edan Diop le Monégasque et Joseph Ndoukidi le Messin, autre milieu de terrain. Ils sont numéro 8. Elle prive les Français de ballon depuis plusieurs minutes. À droite, on va rentrer intérieur. On demande à Joseph Ndoukidi d'être un petit peu plus proche du porteur. Là, ils ont gagné du terrain, ils sont installés dans la moitié de terrain française. Ils essayent de contourner le bloc bleu, bien compact, resserré. Le centre et la tête française, mais c'est vite rendu.
à l'approche de ce dernier quart d'heure. Pas de coup de sifflet, ça joue le centre en retrait. La frappe et la nouvelle réduction du score. 75e minute de jeu. Mathieu Papillet ne plus rien sur cette frappe dans la surface, sous la barre. 3-2. Les Lyonnais, les Français, pardon, pensaient avoir fait le plus dur, mais là, le Lyonnais, Mathieu Papillet, est impuissant. Après le pénalty tout à l'heure. Alors, les Français sont toujours devant dans ce match, mais sur la double confrontation, vous avez le score cumulé à côté. L'Allemagne repasse devant. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu laissé endormir hein, par cette possession allemande, par ce faux rythme. On pensait les contrôler et puis sur une attaque, l'équipe de France a été surprise. Et il va rester du temps pour revenir côté allemand. Les Français là qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent depuis plusieurs minutes. La dernière fois c'était une frappe hors cadre de Mohamed Ali Chow. Et ce sont encore les Allemands à l'attaque. Avec Hansen, ce ballon dans la surface, le centre premier poteau dégagé. Il y a un nouveau joueur français au sol. J'espère que ça va aller. Hein. On le rappelle, la sortie de Johan Coré en seconde période. Le capitaine français qui a dû laisser sa place à Mamadou Koulibaly. Mais ça va. Cette fois-ci, pas de nouveau coup dur. Bonne défense française. Et le coup de sifflet en faveur des Bleuets. Dix grosses minutes encore à jouer. Le jeu écarté à gauche vers William Michel Brancy, qui est toujours sur le terrain. C'est Terence Koudou qui a glissé sur le côté gauche, le latéral droit, alors que attention à Keke Top. Il y a de l'espace. Mais les Français ne peuvent conserver. Weiter,
Et tranquillement, l'Allemagne va remettre le pied sur le ballon. Il y a la vitesse de Youssouf Kabalayi entre deux joueurs français. Il est bien stoppé par William Mikael Brancis, comme depuis le début du match, avec l'aide d'Edan Diop. Joseph Ndoukidi, Edan Diop vers l'avant. Nouvelle récupération allemande haute. Et la récupération et la contre-attaque possible, ça joue. Avec Streder Apua. Le Nantais, dont on n'a pas encore parlé, champion U19 avec le FC Nantes, qui a fêté sa première sélection vendredi et qui a quelques minutes là pour se montrer. Eden Diop à l'entrée de la surface est renvoyé. Et on voit hein, les deux lignes françaises les plus resserrées possibles. Tom Roteux est monté au duel avec Eden Diop. En retrait, le ballon vers Raoul Pola. On écarte à droite cette fois-ci. Et la perte de balle française. Le ballon dans la surface de réparation. En retrait, Raoul Pola. L'égalisation du joueur de Stuttgart. Alors que l'équipe de France menait 3-0. Elle est rejointe dans les dernières minutes. 3-3. La résilience allemande. Et on le sentait depuis plusieurs minutes, hein. On était plus proche de l'égalisation que d'un quatrième but français. La colère, elle se comprend de Landry Chauvin qui pensait certainement avoir fait le plus dur avec ce score net, sans appel de 3-0. Eh bien non. Après une première période aboutie, tout s'est petit à petit déréglé. Allez, il reste du temps peut-être sur ce service de Mikael Brancis, mais la bonne sortie de Mio Bakaos. Et pour certains, c'est le pénalty qui a tout changé. C'est clair qu'il y a eu un tournant dans ce match. On pense aussi à la blessure de Johan Couré. Et donc, oui, la première réduction du score aussi qui a clairement déréglé la machine française. La réponse peut-être avec Eden Diop qui est passé. La montée de William Mikael Brancis, ce centre, ça revient à l'entrée de la surface de réparation. Et le triplé de Kylian Dombe pour remettre l'équipe de France devant. 4-3, encore lui, encore Kylian Dombe. Un premier triplé dont il se rappellera aujourd'hui. Normal, normal à
On a finalement pas trop eu le temps de douter. Quelques secondes, quelques minutes après l'égalisation allemande, l'équipe de France de nouveau dedans grâce à son meilleur atout aujourd'hui, Kylian Dong. Décidément dans tous les coups, dans tous les bons coups aujourd'hui. Incroyable ce qu'il propose. Et sur un but rondement mené hein, avec le départ d'Eden Diop qui a résisté, qui est passé, qui a fixé le décalage vers William Michael Brancy qui était monté le latéral droit pour adresser ce centre qui est revenu donc au second poteau sur l'ailier gauche, Kylian Dong. Allez, maintenant il faut résister aux assauts allemands. Aller chercher donc cette victoire aujourd'hui. On ne s'ennuie pas, en tout cas il y a des buts. On va suivre ce corner tiré par Ben Bobzien. Ah, et la tentative lointaine qui s'envole. Kylian Dong, 3 buts aujourd'hui. Lui qui n'en a marqué qu'un seul en Ligue 2 cette saison après 23 matchs. 23 matchs de Ligue 2 et un seul petit but. Et c'était lors de la première journée, lors du nul face à Dunkerque de partout. Donc muet depuis le 5 août 2023 avec les Stacks. Ça va le remettre en confiance. Française, mais cette fois-ci il est repris alors qu'on joue les dernières minutes de cette rencontre. L'équipe de France, hein, pour ceux qui nous rejoignent dans ces dernières minutes, menait 3-0 avant de voir revenir l'Allemagne 3 partout. Et il y a quelques minutes, le triplé de Kylian Dong. En plus de l'ouverture du score signé Mohamed Ali Chaud pour remettre l'équipe de France devant. Mais cette génération 2004 cesse de faire peur. Et c'est le cas aujourd'hui. Nouveau ballon dans la surface de réparation, le pied droit et c'est contré. Très bonne défense française. Il va jouer le coup à fond. Ah, dommage. Il s'en sort bien là, le défenseur allemand Raoul Pola. Le corps du but de l'égalisation avec le ballon qui écarte côté gauche. Tom Roteux. Une nouvelle défense impeccable de William Michael Brancis. Les derniers efforts. Kemlein en retrait. Le ballon de la tête et l'égalisation
Nouvelle égalisation allemande, 90e minute de jeu. Oh, que c'est dur pour l'équipe de France qui était repassée devant. L'égalisation de Keke Top, un doublé pour lui après son but sur pénalty. Il vient tromper Mathieu Patouillet. Et il a fait parler son maître 92, un doublé le jour de ses 20 ans, 4 partout. William, Mickaël Brancy et Kylian Dong, le héros malheureux finalement de l'après-midi, vont laisser leur place. Car ce triplé ne va pas offrir pour l'instant la victoire aux Français. Et l'entrée d'Antoine Mendy, le Niçois, à la place donc de William, Mickaël Brancy donc sur le côté droit, et l'entrée de Malamine Fekele, le monégasque prêté au Cercle Bruges depuis janvier 2024, à la place de Kylian Dong. Allez, on est dans le temps additionnel de cette rencontre. Brahim Traoré qui écarte vers Antoine Mendy. Mendy de la tête vers l'avant. Il y avait Efekele pour Eden Diop. La porte est encore refermée. Dernier duel. Eden Diop. Antoine Mendy avec son gardien. Et donc 4 buts encaissés en seconde période. Ce sera bien évidemment le point négatif de cette rencontre. Avec Youssouf Kabadayeni et Dan Diop. Ballon, de nouveau sorti. Et on réclame ce ballon dans la surface. Ça ressemble à la dernière cartouche. Ce sera même un corner pour les Français. Allez, peut-être le mètre 91 de Brahim Traoré. Ce serait la belle histoire. C'est Eden Diop qui va s'en charger. Le monégasque. Diagonale.
Les points de Mio Bacchaos. Et on va en rester là. Fin du temps additionnel. 4 partout. Entre l'équipe de France U20 et l'Allemagne. L'équipe de France qui menait pourtant 3-0. S'est vu rejoindre une première fois à 3 partout avant de reprendre les devants. Grâce au triplé de Kylian Dong aujourd'hui, mais ça n'aura pas suffi. L'égalisation de Keke Top, l'attaquant de Schalke 04 de la tête, qui s'offre un doublé après avoir déjà réduit le score sur pénalty. Et les Français avaient pourtant pris ce match par le bon bout, hein, ouverture du score avant la demi-heure de jeu, grâce à un but magnifique du pied gauche de Mohamed Ali Chow. Le triplé donc de Kylian Dong, mais 4 buts encaissés en seconde période. 4-4 donc l'équipe de France U20 peut nourrir des regrets aujourd'hui. A d'abord affiché un autre visage après la défaite 3-1 il y a 3 jours contre cette même nation. On pensait cette équipe à l'abri, et bien non, elle a craqué donc en seconde période. Il y aura avec donc ce nul une séance de tir au but qu'on va vous proposer évidemment en direct sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Football. Restez avec nous. On le rappelle, hein, c'est la volonté chez les sélections de jeunes en cas d'égalité depuis janvier 2024. Ça avait notamment été le cas, rappelez-vous, pour l'équipe de France U16 lors d'un tournoi UEFA face à l'Espagne, remporté d'ailleurs par l'équipe de France U16 grâce à un grand Ilan Jourdren qui avait, il y a quelques semaines, repoussé deux tentatives. Et ça avait d'ailleurs donc permis à cette même équipe de France U16 eh bien de remporter le tournoi de développement disputé en Turquie. C'était le 4 mars dernier, devant donc le Danemark, le Japon et l'Espagne. Les U16 de Lionel Rouxel. Là, on aura le droit donc à une nouvelle séance de tir au but pour les préparer aussi à de futures séances dans de multiples compétition. Alors même si c'est perdu sur le score cumulé, hein, 7-5, c'est aussi une volonté voilà, de travailler cet exercice si particulier. Le premier pénalty, c'est l'Allemagne qui démarre cette séance de tir au but. Lennox en force, Keke Top. Déjà double buteur aujourd'hui, transforme ce premier pénalty le jour de ses 20 ans. On a changé de gardien là, c'est Nahuel Noll, hein, le gardien allemand. Un gardien d'Offenheim. Et c'est Noé Le Breton. Le Canet, originaire d'Avranches, qui se présente face à Noll. Le contre-pied parfait, en force. Un partout. Et il est parti du bon côté, il arrête le premier pénalty de cette séance de tir au but. Mathieu Patouillet qui va en faire une spécialité. Après la Coupe de Bardella, la Coupe de France. Décisif sur pénalty avec l'équipe de France U20.
Et Eden Diop peut permettre aux Français de passer devant dans cette séance, de mettre la pression. Eden Diop face à Nahuel Noll. Sans problème, le contre-pied du Monégasque entré en jeu en seconde période. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. C'est Raoul Pola, buteur aujourd'hui, joueur de Stuttgart face à Mathieu Patouillet. Et c'est encore arrêté, coup sur coup, Mathieu Patouillet. Second arrêt pour le portier du FC Sochaux-Montbéliard. Autour de Joseph Ndoukidi, le Messin, entré en jeu également en seconde période, peut se présenter face à Nahuel Noll. Ah, c'est en force, il a ouvert son pied au dernier moment, parfaitement transformé, 3 sur 3 pour les Français et 3-1 dans cette séance. Ben Bobzien. Face à Mathieu Patouillet, plein axe, ça a pourtant été touché par le gardien français. Dommage. Ça fait 3-2. Et si ce pénalty est transformé, l'équipe de France remportera cette séance de tir au but. Et c'est Brahim Traoré qui peut permettre à l'équipe de France de terminer sur une bonne note ce rassemblement avant le retour sur Paris demain et le retour en club. Brahim Traoré face à Nahuel Noll. Et c'est au fond le sans faute français dans cette séance de tir au but. On en reste là, la victoire française, certes anecdotique, mais victoire quand même, on le rappelle, hein, c'est une volonté depuis 2024 que les jeunes s'entraînent et progressent dans cet exercice en cas d'égalité. Donc cette séance de tir au but. Mais il y aura quand même des regrets parce que à l'issue du temps réglementaire, ce match nul 4 partout, on le rappelle, triplé de Kylian Dong et un but de Mohamed Ali Chaud. C'est la fin de ce rassemblement de l'équipe de France U20 ici au centre Oliva Nova Sports à Valence en Espagne. Défaite 3-1 un vendredi. Match nul 4-4 bonifié par une séance lors de la victoire au tir au but. Voilà donc pour le bilan de cette sélection U20. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne YouTube de la FFF. Merci à Ludovic Bruno aux manettes et à très vite donc pour suivre les différentes sélections nationales et notamment le prochain rendez-vous. C'est à 18h sur cette même chaîne YouTube et il y aura aussi en fin de semaine le tournoi international de Montaigu avec à l'honneur l'équipe de France U16 féminin et masculin. À très vite sur la chaîne YouTube de la FFF. Très bonne soirée à tous.